Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et pour vous faire patienter jusqu'à Noël, je vais vous lire une petite histoire. Le festin de Noël. Cette année-là, le loup, le renard et la belette décidèrent de s'offrir un festin de Noël. Renard fut chargé de voler la dinde et comme il était prévoyant, il s'y prit à l'avance et choisit la plus jolie. L'aventure se corsa dès le retour au terrier. Oh, quelle pagaille ici! S'écria la dinde, à peine sortie du sac où il l'avait fourrée. On ne t'a pas appris à ranger ta tanière avant d'inviter une demoiselle? Tu n'es pas mon invité, protesta Renard. Tu es mon festin de Noël. Raison de plus, un festin de Noël, c'est important. Tu dois en prendre soin. Pour commencer, il faut faire le ménage et aérer à bon coup. J'ai horreur du désordre. Et Dame Dinde se percha sur le fauteuil d'où elle supervisa les opérations. Renard se mit au travail en bougonnant. Ça ne l'enchantait pas du tout, mais ce destin de Noël semblait très sûr de lui. Plus tard, quand Belette et Loup arrivèrent, le terrier était impeccable. Ils furent priés de s'essuyer les pattes avant d'entrer et en découvrant la dinde, ils poussèrent des cris de joie. Ne serait-ce pas l'heure de dîner? Demanda-t-elle aussitôt. J'ai grand faim. Qu'avez-vous préparé? Belette et Renard répliquèrent en se léchant les babines qu'ils n'avaient pas l'intention de se mettre en cuisine, sinon pour la transformer en pâté. Dinde rétorqua sévèrement qu'avant de la manger, il fallait l'engraisser. Tout le monde savait ça, grand Dieu. Était-ce leur premier Noël? Était-elle leur premier festin? Ils en convinrent et, penauds de leur ignorance, suivirent ses instructions à la lettre. Loup s'en fit cueillir des bourgeons, Belette des champignons et Renard pêcha les grenouilles. Ce soir-là, comme aucun des trois ne savait cuisiner, Dinde prépara le ragoût de grenouilles aux bourgeons et à la purée de champignons. Ils se régalèrent. Puis ils jouèrent à la belote et comme Dinde trichait mieux qu'eux, ce fut elle qui gagna. Les trois compères passèrent néanmoins une excellente soirée. La meilleure depuis longtemps. Et ils n'eurent pas à se disputer pour savoir qui dormirait sur le fauteuil. Il convenait de le laisser à Dame Dinde, ainsi qu'elle l'expliqua. Ils se couchèrent n'importe où après s'être brossés des crocs comme on les en avait priés. Dinde les réveilla de bon matin. Elle avait faim. Ils s'en furent chercher à manger. Et avec ce qu'ils rapportèrent, elle prépara le petit déjeuner. Jusqu'au soir et les jours suivants, les trois compères n'eurent pas une minute à eux. En effet, même entre les repas, Dinde était exigeante. Il fallait du houx pour dresser les couronnes, un sapin à décorer, une brassée de gui à accrocher au plafond. Ils durent aussi ramoner la cheminée, car Dame Dinde était frileuse. Quand Noël arriva enfin, les trois amis rechignaient encore à se laver les pattes avant de passer à table, mais ils avaient pris goût aux bons petits plats et ils ne gagnaient toujours pas la belote, mais ils savaient confectionner des guirlandes ou des bonhommes en pain d'épices. Ils trouvaient que préparer Noël, c'était ma foi fort plaisant. La veille du grand jour, Dinde souleva la question. Comment allait-il la cuisiner? Rôti à la crème, farci au chou. J'aurais aimé de flamber au porto, déclara-t-elle, mais cette recette est délicate. La réussirez-vous? Les trois compères tous sautèrent embarrassés. Ils n'avaient pas réfléchi à cela. Ils remirent cette conversation au lendemain et pas un d'entre eux ne ferma l'œil de la nuit. Ils n'avaient aucune envie que leur nouvel ami ne finisse ainsi. Rôti, flambé ou farci, mais que faire? Heureusement, Dinde trouva la solution. Chers amis, soupira-t-elle au matin, je vois que vous avez peur, en me tuant trop tôt, de rester sur votre faim. Eh bien, engraissez-moi encore une année. Il sera toujours temps de me croquer l'an prochain. Je serai plus grosse, le festin n'en sera que meilleur. Ce projet fut accepté à l'unanimité et cette année-là, le festin de Noël, c'est Dame Dinde en personne qui le prépara. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.
Bonnes vacances, bon Noël et bonne année grand-mère.